tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours de cela, eh bien, j'ai reçu le fameux Samsung Galaxy S8 Plus, donc la version grand écran de ce smartphone. Donc autant vous dire que c'est un smartphone vraiment très convaincant, notamment par son écran. Évidemment, on se retrouve avec un écran très agréable, que ce soit par les couleurs mais également par sa dimension. Et puis autre particularité de ce smartphone, il se veut être extrêmement puissant et du coup vous avez pratiquement ici en main un ordinateur. Pourquoi je parle d'un ordinateur? C'est tout simplement la volonté que Samsung a voulu faire passer avec ce Samsung Galaxy S8 Plus. Et c'est pourquoi ils ont proposé cette année, pour la première fois, une station d'accueil en fait qui accompagne ce smartphone haut de gamme. Et du coup, vous vous retrouvez ici avec un smartphone qui va faire office évidemment de smartphone. Vous allez pouvoir passer des appels, vous allez également pouvoir jouer en fait sur ce smartphone, pouvoir lire du contenu vidéo puisque son écran le permet, mais également si vous le souhaitez, et notamment si vous êtes un utilisateur assez mobile, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle une station d'accueil que Samsung a nommée la station DEX. Donc on va la nommer DEX pour aller plus vite. En tout cas, cette station d'accueil, a la promesse, et on va voir si dans cette vidéo, cette promesse arrive à être tenue par la firme coréenne. Mais en tout cas, la promesse, c'est d'avoir un smartphone quand vous baladez. Et puis, par exemple, quand vous arrivez au bureau ou même dans une chambre d'hôtel, par exemple, notamment si vous êtes beaucoup sur la route, vous allez pouvoir utiliser cette station d'accueil tout simplement pour avoir un environnement un peu plus grand, un environnement de bureau. Donc déjà, des constructeurs ont déjà proposé ce type de solution. On pense notamment à Microsoft avec sa solution Continuum et ses Lumia 950 et 950 XL. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté, même si la fonctionnalité était très agréable. Malheureusement, ça n'a pas permis à Microsoft de vendre une grande quantité de smartphones et d'être omniprésent sur le marché. Mais en tout cas, c'était peut-être une fonctionnalité assez novatrice, mais trop en avance par rapport à son temps. Et donc Samsung essaye de relancer un petit peu cette vague où on a ici un smartphone puissant et qui va pouvoir du coup se transformer en un véritable ordinateur, notamment pour tous vos besoins de bureautique. Et donc ils ont lancé cette fameuse station, donc la station DEX que vous voyez ici. Donc ici, on a le packaging. Alors, cette station d'accueil est vendue séparément du smartphone. Il faudra compter à peu près une 150aine d'euros en fonction du site sur lequel vous allez pouvoir l'acheter. Donc, elle n'est pas forcément donnée, mais vous allez pouvoir en fait profiter de cet environnement de bureau avec cette station d'accueil. Donc, voici le packaging. Donc, on retrouve ici le fameux dock sur lequel on va pouvoir poser notre smartphone. Donc ça, j'y reviendrai juste après. On a évidemment le nom ici. Et puis, comme c'est mentionné juste en dessous, vous voyez ici, peut-être à l'écran, je vais essayer de faire un focus dessus. C'est marqué for desktop experience. Donc en gros, ce que ça veut dire, ça va vous permettre de transformer votre expérience actuelle en une expérience de bureau. À l'arrière, on retrouve quelques caractéristiques du dock. On va retrouver notamment tous les ports, comment l'utiliser. Et puis ici, on a une liste des ports qui sont disponibles, donc HDMI, un port Ethernet et deux ports USB 2.0. Voilà un petit peu pour le packaging. Moi, j'ai sorti pour la vidéo, j'ai sorti le dock de la boîte. Sachez qu'on va le retrouver dans une petite boîte en plastique, on va pouvoir le loger dedans. On va notamment retrouver également le cordon d'alimentation, la prise de secteur et évidemment notre dock que vous avez ici, que j'ai ici dans les mains. Donc ce dock, comme vous le voyez, la forme un petit peu d'un palais. Pour ceux qui jouent au hockey, on pourrait imaginer que c'est un palais un peu plus gros. Donc il a une forme plutôt agréable. Sur un bureau, il prend tout son sens et il est assez discret. Donc ça, c'est plutôt bien. En termes de matériaux, on est sur un matériau en plastique. Donc pas de verre, ni d'aluminium, ni rien de tout ça. Il est un peu moins, à mon goût en tout cas, il est un peu moins pro que le dock de Microsoft, le display dock qui était lui complètement en aluminium et qui avait vraiment un effet assez joli, ce dock s'opposera quand même tout de même sur un bureau sans aucun problème. Concernant ce dock, que dire? À l'arrière ici, je vais essayer de faire le focus dessus comme ceci. Voilà, donc
Donc sur, sur l'arrière, on retrouve ici donc, les ports. Donc on a le premier ici qui est le port USB type C, donc qui va vous permettre eh bien, d'alimenter en fait, cette station d'accueil. Ensuite, on retrouve ici le port HDMI, puisque vous allez pouvoir connecter évidemment cette station d'accueil à un écran externe. On a ici un port Ethernet, si vous, vous pouvez profiter pardon, du réseau local. Et puis on a deux ports USB, donc ces deux ports USB 2.0 qui vont vous permettre eh bien, de brancher par exemple une souris, un clavier, mais également un disque dur externe si le cœur vous en dit. Voilà un petit peu concernant ce dock. Sur le dessus ici, vous avez la mention Samsung, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et ensuite, on a ici un petit triangle. Alors vous n'allez pas forcément le voir à la caméra, j'essaie de faire le focus au mieux, mais c'est pas gagné. En tout cas, eh bien, ce petit triangle, tout simplement, ça nous permet de mettre notre doigt dessus. Hop, voilà. Et comme ceci, d'une simple pression, vous voyez, le dock se matérialise, il se recule en fait, et qui laisse apparaître ici à l'intérieur le port USB type C, donc qui va vous permettre eh bien, de mettre votre smartphone au sein de celui-ci. Et à l'arrière, ici, on peut voir notamment eh bien, plusieurs trous d'aération. Puisque évidemment cette station d'accueil a pour vocation de recharger votre smartphone mais également d'envoyer du contenu sur un écran, donc évidemment elle va chauffer et donc on sait Samsung qui désormais est très, très regardant sur la partie surchauffe pour éviter justement des problèmes qu'on a pu avoir avec le Galaxy Note 7 pardon. Eh bien elle a prévu plein d'aérations que vous voyez ici, on en a de chaque côté. Voilà, ça permet comme ça une vraie bouche d'aération pour cette station d'accueil. Pour loger le smartphone, eh bien, c'est très simple. Vous prenez votre smartphone, vous le mettez dans le port USB type C, vous le clipsez et voilà. Le smartphone est en position, il est prêt à être branché pour l'utiliser parfaitement en fait en tant que station d'accueil. Donc une fois que vous avez votre station d'accueil, maintenant pour la brancher, eh bien, c'est très simple. Je vais simplement brancher le port HDMI, l'alimentation, le câble Ethernet si on a envie, et puis si vous avez un clavier ou une souris en Bluetooth ou quoi que ce soit, eh bien, vous le reliez soit directement au smartphone, soit vous passez par un petit dongle. Donc, ma souris elle a un petit dongle, donc je vais le mettre sur le port USB comme ceci. Ensuite, je viens brancher, on va brancher tout de suite le port HDMI, comme ceci, de la télé, et ensuite je viens brancher l'alimentation. Donc là, mon dock est alimenté, donc vous voyez la connectique est plutôt très simple. Je vais le poser en fait ici sur le bureau, tout simplement. Alors je vais essayer de bouger la caméra en même temps que vous voyez, comme ceci, tout en voyant l'écran. Ça va pas être facile, comme si je me mets comme ceci, ça devrait être mieux. Voilà. Donc là, la station d'accueil est ici. Ce qui me reste à faire, eh bien, vous voyez que la télé est allumée derrière, elle attend le signal, puisque j'ai déjà branché sur l'HDMI. Et tout simplement, eh bien, je vais mettre le Galaxy S8 Plus dans son dock. Instantanément, eh bien, celui-ci va passer en mode DeX. Voilà. Vous voyez sur la télé, on a le Samsung DeX. Et là, je passe en fait sur l'écran eh bien, de déverrouillage, puisqu'évidemment, il faut que je puisse déverrouiller ma session pour utiliser mon environnement de bureau. Donc eh bien, tout simplement, je vais utiliser le capteur d'empreinte digitale qui n'est pas obstrué par la station d'accueil. Et vous voyez ici, eh bien, j'arrive sur en fait, cet écran d'accueil. Donc cet écran d'accueil, eh bien, il se compose de plusieurs petites choses. Donc là, je vais activer la souris. Alors, je vais regarder si elle est bien mise, la souris. Je vais la remettre sur le port. Hop. Comme ceci. Voilà, j'ai ma souris. Donc, on retrouve ici en bas à gauche les boutons traditionnels Android, c'est-à-dire que vous allez retrouver ici le lanceur d'application. Vous allez ici avoir le bouton qui va vous permettre eh bien, d'avoir les applications récentes qui ont été lancées. Et puis ici, on a le bouton Home, donc accueil, qui va vous faire revenir sur cet écran d'accueil. Ici, en bas sur la droite, vous allez avoir toute une série d'icônes. Alors j'essaierai de vous montrer un peu plus ça en détail avec des photos évidemment. Donc on va avoir l'heure, on va avoir un bouton de recherche. Vous allez également avoir un bouton pour faire des captures d'écran, le réglage de volume, afficher le clavier. Vous allez également avoir la notion sur la batterie. Si vous cliquez dessus, eh bien vous avez le petit paramètre de la batterie. Vous allez également avoir le signal pour le Wi-Fi,
le signal pour la 4G, le Bluetooth. Et ensuite, on a d'autres séries de petites icônes qui sont les services Google Play. On va avoir le système Android et ensuite on va avoir le système Android. Donc ce sont les notifications. Voilà, en gros, ce sont toutes les notifications en fait qui ont été lancées auparavant. Donc c'est un panneau de notifications. On a les trois dernières icônes des applications qui ont été lancées. Et si on clique sur les trois petits points, eh bien vous allez avoir toutes les notifications directement qui sont visibles sur votre périphérique. Ensuite, on a une liste ici d'applications épinglées et on a un petit trait en fait de celles qui sont directement lancées. Donc si par exemple je clique sur YouTube, eh bien par exemple ici je vais me retrouver sur une vidéo que je vais pouvoir lire très simplement. Donc concernant le son, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait sur notre station d'accueil d'Ex Station de Samsung, on n'a pas en fait une prise audio, donc vous n'allez pas pouvoir brancher en fait votre station d'accueil a un système audio annexe. Il va falloir uniquement se servir du son qui vient de votre smartphone ou directement en Bluetooth. Donc ici par exemple j'ai lancé l'application YouTube. Donc la première des choses que l'on peut voir, c'est qu'on a une application qui est fenêtrée, un peu comme on a sur un environnement de bureau. Donc vous allez pouvoir déplacer en fait votre fenêtre. Vous allez pouvoir la redimensionner comme vous le souhaitez. Donc voilà, par exemple ici je vais redimensionner. Donc évidemment c'est de la vidéo, donc ça prend un petit peu de temps. Ensuite je vais pouvoir lancer une autre application, par exemple je vais pouvoir lancer mes fichiers, donc je vais pouvoir naviguer au sein de mes fichiers et toujours continuer en fait à utiliser mon application et à pouvoir la regarder. Malheureusement la limite de cette chose, c'est que vous n'allez pas pouvoir regarder une vidéo, une autre vidéo en même temps qu'il y en a une qui tourne. Je vais vous montrer ça. Par exemple ici donc la vidéo est lancée. Et si, donc là j'ai lancé le navigateur, donc tout simplement Chrome, je vais aller regarder une vidéo, vous allez voir ce qui se passe. Hop, donc on va prendre celui-ci par exemple. Donc voilà, dès que je lance une nouvelle vidéo, vous voyez ici sur l'application YouTube, la vidéo est mise en pause. Et ici, bon, évidemment, je peux regarder la vidéo, mais c'est un peu dommage puisque par exemple sur certains sites, eh bien, les vidéos se lancent automatiquement et du coup, vous allez pouvoir être stoppé sur votre flux et il faudra le réactiver qui viendra mettre en pause l'autre. Enfin, voilà, ce sont des petites problématiques, mais néanmoins, c'est plutôt logique puisqu'on ne va pas regarder de vidéo logiquement en même temps. Mais il faut savoir que sur un site ou si vous naviguez sur des sites qui lancent automatiquement des vidéos, eh bien, vous risquez d'avoir ce problème. Donc pendant qu'on est dessus, eh bien, je vais vous présenter un petit peu le navigateur. Donc vous voyez ici, donc, j'ai lancé le navigateur. Donc ici on est sur Chrome. Donc la navigation est vraiment très fluide, comme si vous étiez en fait sur un environnement de bureau. Je vais pouvoir passer en mode plein écran. Donc vous voyez ici, eh bien, je me retrouve très simplement avec un navigateur comme si j'étais en fait sur mon ordinateur du bureau, évidemment avec un grand écran. Je vais pouvoir en profiter. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Je vais pouvoir évidemment ouvrir des nouveaux onglets, mais ça, on y reviendra par la suite. Je vais également pouvoir utiliser les applications donc, en mode minimisé, donc réduire la fenêtre, je vais pouvoir l'agrandir et puis je vais pouvoir la fermer. Donc ça, c'est valable uniquement si les applications sont compatibles avec le mode DeX de Samsung. Malheureusement, c'est peut-être l'un des points faibles, et l'un des points faibles d'ailleurs de cette station d'accueil, c'est que toutes les applications n'offrent pas cette possibilité, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir l'agrandir, la redimensionner comme vous le souhaitez. Par exemple, si on lance une application comme une application populaire d'ailleurs comme Facebook, malheureusement, vous voyez Facebook en fait, eh bien, il se met en mode fenêtre ici, donc j'ai la petite fenêtre de Facebook, je peux évidemment parcourir Facebook sans aucun problème. Malheureusement, je ne pourrais pas l'agrandir, je ne pourrais rien y faire, je peux la passer en mode portrait, en mode pivoté, enfin portrait au paysage, mais je n'aurais d'autre option que soit de minimiser, soit de la fermer. Malheureusement, je ne pourrais pas la mettre en mode plein écran. Donc ça, c'est un des problématiques, c'est que les développeurs tiers doivent supporter ce mode DeX de Samsung et ce n'est pas encore le cas pour des applications et notamment ici, comme vous voyez, avec l'application populaire de Samsung. Avec Spotify, c'est encore plus problématique puisque vous n'allez pas pouvoir démarrer Spotify
Alors, je l'ai pas installé du coup sur je l'ai testé mais je l'ai pas je l'ai désinstallé puisque dès que vous allez démarrer par exemple Spotify, eh bien elle va vous dire que cette application n'est pas du tout prise en charge par le mode Dex de Samsung, donc c'est un peu dommage. Pour d'autres applications, par exemple prenons je sais pas moi Twitter, on va se retrouver avec le même problématique. Donc vous allez avoir effectivement ici donc un bouton qui vous permet de passer en mode plein écran, mais malheureusement c'est simplement une extension de la version de mobile et du coup vous profitez pas en fait pleinement et bien de cet écran, c'est juste des images qui sont plus agrandies, mais c'est tout ce qu'on en a. Malheureusement on n'a pas une version qui est adaptée de Twitter à cette station d'accueil, mais néanmoins ça reste quand même très utilisable et très agréable. Vous allez pouvoir et bien profiter de tous les paramètres de votre smartphone. Vous allez également accéder au Play Store si vous le souhaitez, donc vous allez pouvoir installer ou rechercher les applications et les installer directement. Vous allez pouvoir rédiger des mails évidemment directement depuis cette interface, gérer votre galerie photo, donc vous allez pouvoir et bien comme ceci parcourir en fait toute votre galerie, donc vous allez pouvoir profiter pleinement en fait de votre galerie photo sans aucun problème. Vous voyez, je vais pouvoir profiter pleinement et bien de toutes mes photos que j'ai pu prendre simplement et bien en utilisant en fait ma station d'accueil. Voilà, je vais pouvoir profiter et montrer tout ça en mode plein écran. Je vais pouvoir présenter tout ça à mes amis si je le souhaite, présenter mes photos. Je vais également pouvoir profiter et bien de cet écran pour rédiger que ce soit des comptes rendus, donc je vais pouvoir utiliser Word, Excel. Je vais également pouvoir rédiger des textos directement depuis cette application. Par exemple ici, eh bien, je vais pouvoir envoyer par exemple un message. Donc là, j'envoie directement le même message. Je vais également pouvoir interagir avec la caméra du smartphone, même si celui-ci est dans le dock. Eh bien, je vais pouvoir l'utiliser un tout petit peu, le bouger. Si par exemple, je prends une photo très rapide, hop, comme ceci. On va dire qu'on va prendre, hop, ceci. Donc là, c'est pas très simple puisqu'on est obligé de bouger la station d'accueil et également cliquer sur ce bouton-là. Voilà, j'ai pris la photo et voilà, je peux envoyer évidemment la photo directement depuis les messages. Donc je vais pouvoir interagir, je vais pouvoir passer des appels tout en restant en fait avec la station connectée. Et puis je vais pouvoir éventuellement jouer si les jeux sont supportés. Vous voyez ici, j'ai eu un message comme quoi certaines fonctionnalités de l'application n'étaient pas prises en charge. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir profiter pleinement en fait du jeu. Je ne vais pas pouvoir notamment le passer en mode plein écran et du coup, je vais être réduit à une petite fenêtre. On va dire qu'on va jouer à ça. Allez, peu importe. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Normalement, c'est en tactile. Alors, on va tester avec le clavier. Peut-être que c'est pris en charge, mais je ne suis pas sûr. J'aurais peut-être dû le régler juste avant. Alors, voyons voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça marche avec le clavier. Peut-être que si, on va voir. Donc là, évidemment, le son est sur le smartphone. Et si ça marche avec le clavier, donc vous voyez, je peux jouer en fait très simplement avec mon clavier. Je peux évidemment profiter pleinement de mon jeu sur un écran un peu plus grand. Alors évidemment, les graphismes sont un peu... sont un peu pixelisés puisqu'on est sur une interface vraiment agrandie, mais voilà, je vais quand même pouvoir profiter de mon jeu toujours en restant en fait sur cet environnement agrandi. Ici je peux le minimiser pour passer à autre chose. Je vais pouvoir donc rédiger, comme je vous l'ai dit, des mails, des messages, etc. Voilà, je vais vraiment pouvoir profiter en fait de cet environnement de bureau. Malheureusement, ce qui manque, eh bien, c'est tout simplement le support des applications tierces et puis peut-être quelques fonctionnalités logicielles qui manquent, mais je ne manquerai pas de vous raconter tout ça dans l'article qui va suivre. Je ne vais pas tarder à vous le publier, vous le verrez très rapidement à la suite de cette vidéo. En tout cas, c'est une expérience assez agréable. On voit que Samsung essaye d'innover. Ce Samsung Galaxy S8 et le modèle S8 Plus que vous avez ici, eh bien, ce sont des machines extrêmement puissantes et donc il est tout à fait légitime en fait pour le constructeur, eh bien, de proposer un petit peu une station d'accueil qui remplit eh bien, un petit peu ce que le rêve de tout le monde, c'est d'avoir un smartphone en poche qui va se transformer en un ordinateur en quelques secondes. Et avec cette station d'accueil assez petite et assez mobile, eh bien, vous allez pouvoir un peu profiter de ça.
Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir et surtout, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.